Bonjour. Bonjour, il est 7 heures. Jour du départ. Je dois aller réveiller les enfants. J'ai un grand sommeil. J'ai dormi à 3 heures. Je suis fatiguée. Bon, on ne se plaint pas. On va dormir dans l'avion. Avant de se lever. Princesse, princesse, maman, hey bobo, it's time to wake up my love. Ça c'est quoi ça? Il ne peut pas se réveiller. Je vais appeler au secours le papa. Ils sont prêts. Mon sac est prêt, il est là. Je n'ai que pris le nécessaire parce que ce sont les vacances des enfants. Donc, ma caméra de vlog est morte. Voici ma caméra de vlog. Je dois trouver la batterie pour continuer les vlogs, arriver là-bas. Mais là, comme je vous disais, j'ai pris un seul sac simple pour porter autour de mon cou quand je suis avec eux. Et j'ai pris un sac de Mac pour quand on sort, une paire de talons. Baby, please can you wake them up? I tried. They don't want to wake up. They are in a deep sleep. Remember yesterday they went to bed late because of the excitement? Oui, hier ils ont dormi tard parce qu'ils étaient tellement contents. No baby, don't do that. Baby, oh my god. They didn't sleep. She's tired. 5 more minutes, okay? Hey big guy, you got 5 more minutes, okay? I do. Why did you do that? I do. Oh my Jesus, I can't believe you. Revenons à nos moutons. Mon mari dérange mes enfants. Il les a réveillés comme des militaires, des soldats en pleine guerre. Ok, je dois vous dire une vérité. C'est mon petit frère Ibrahim Larson qui m'a appelé et il m'a dit, grande soeur, tu dois faire un vlog. Tu dois faire un vrai vlog. Il me dit, écoute, tes affaires que tu t'assois dans une chambre et tu enregistres une vidéo pendant 10 minutes là, on est fatigué de ça. Fais un vrai vlog. J'ai dit, ok Ibrahim, ok. Je vais faire le vlog, le vrai vlog. Donc, voici le meilleur que je peux vous donner. Je vais faire mon téléphone parce que ma caméra est morte. Donc, on va continuer ce que je vous montrais tout à l'heure. Comme je vous disais, voici mon sac Merrain. J'ai pris un sac simple, j'ai pris un sac de Mac. J'ai pris les lingettes, c'est très important parce que les enfants vont utiliser les toilettes là-bas. Une paire de talons qui est là. Et le reste, ce sont juste des chaussures plates. D'accord? Une paire de tennis pour mon sport. Déodorant. J'ai pris ce style de déodorant parce que je vais où il fait chaud. Maillot de bain, soutien et sous-vêtements. Tout est bien organisé. Hein. Et dans chaque sac, il y a quelque chose. Ici, vous trouverez mon fond de teint et tout. Et si vous trouverez les remèdes, il y a les remèdes des allergies, maux de tête pour dormir, palud, diarrhée. Il y a absolument tout. Parce qu'on va dans un pays étranger, donc je dois me préparer. Et me rassurer qu'il y a tout au cas où. That's what daddy say? Ok. I'll go do it. You wanna give me a kiss? Mm-hmm. Thank you. I love you. Brush my teeth, wash my face. Okay. I love you. Okay. Papa, s'achète des babouches. J'ai beaucoup de babouches. Une babouche là. Chaussures pour haut. Là, les habits, soutien pour faire le sport, les habits, bref, vous verrez quand je vais arriver là-bas. Voilà, je dois faire mes ongles, j'ai oublié. Voici comment moi je fais mes ongles, parce que aller m'asseoir chez les gens là et faire mes ongles, c'est non. Je dois être rapide parce qu'on n'a plus assez de temps. Punaise de pas dérive. Je voyage avec les enfants. Je n'aime pas avoir la perruque sur la tête parce que je ne veux pas me mettre à couler, enlever. Ah. Les ongles. Non, on va arranger. Maman. Bonsoir.
Yes, let's put your clothes on. Ça, c'est la tenue de princesse. Elle va porter une tenue du couture aujourd'hui. Poulayo. Ok, Maren, nous avançons bien. Yes, girl. Bon, j'ai mis les ongles courts parce que voilà, je vais en vacances avec les enfants. Donc, il faut que j'ai la possibilité de les attraper. S'il faut les attraper, hein. La princesse qui est en train de mettre ses chaussures, là. Ok, put your pants down. Good girl. That's my girl. Non, je vais tout simplement faire l'autre main. Et on a fini. Aussi simple que ça. Ça m'a coûté 5$. Et toujours les ongles 3$. La colle 2$. Pas besoin d'aller dépenser 50$, 60$. M'asseoir quelque part pendant 2-3 heures de temps. Perdre mon temps pour qu'on me fasse les ongles. Ça, c'était à l'époque. Maintenant, là, je réfléchis avec le cerveau. Et non pour faire voir ou montrer quelque chose à quelqu'un. Soyons sages avec l'argent. Je peux investir les 60$ là quelque part. Et ça me rapporte au moins 500$ ou 1000$. Ça, c'est juste moi. Regardez l'excitement. Quelle erreur je dois aller m'apprêter. J'arrive. Allons prendre une bonne douche. Alors, Maren, sous ma douche, j'ai une liste de produits que j'utilise. En commençant avec le nouveau savon probiotique que j'utilise actuellement. Il est trop bon. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, essayez-le. Donc, je vais prendre une bonne douche et je vous reviens dans 20 minutes. 10 minutes. Voilà. Le glow s'est déjà installé. Les cotons, ce sont les cotons que j'ai ramenés de Paris. Il n'y a pas ça aux États-Unis, pas dans les gros comme ça là. Les habiller. See my love, that is so simple. On m'a aimé à m'habiller. Thank you, baby. Voilà, mes reines, je suis prête et en haut, on y va. Mon sac est là. Donc, j'ai porté un collant et un t-shirt simple parce que je dois être à l'aise, surtout avec les enfants. Donc, j'ai une vision 20 sur 20. Avec mes lunettes, la vision est impeccable. Regardez ma peau. Quand je n'ai pas mes règles, je prie, je prie. Enfin dans la voiture. Après des heures. Where are we going? Michelle still coming? I didn't hear, Bobo. Where are we going? To the Bahamas. Yes, the Bahamas, here we come. Why you look sad? Why you look sad? Because you ordered to go to the warehouse. I say one more thing and we're going back home. Me neither. Sans make-up, on est vraiment meilleur. Hein? Oh my God, driving backward, Jesus. Professional, hein? Donc voilà les reines, nous nous sommes arrêtés pour prendre un peu de carburant. La plupart des temps, nous voyageons toujours avec la voiture. On laisse la voiture à l'aéroport, on paye pour une semaine. Ça peut nous coûter entre 200 et 500$, ça dépend trop de bruit. Vraiment, être sans make-up là, c'est meilleur. Hein? Bon, comme je disais, ça peut nous coûter entre 200 et 500$ pour laisser la voiture à l'aéroport, dans les garages de l'aéroport là-bas. Parce que prendre Uber avec les enfants ou encore demander aux gens d'aller nous déposer, c'est... J'aime pas demander les favors aux gens parce qu'après ça devient comme des dettes. Bonjour. Donc voilà les reines, on se conduit nous-mêmes à l'aéroport et puis on dépose notre voiture et puis voilà. Être sans make-up là, c'est bien. Ok. And red light. On me demande pourquoi je n'ai pas mon alliance. Je ne veux pas oublier ça aux Caraïbes. Le glow est réel. Au bureau Belle Secret pour prendre quelques produits pour pouvoir faire les vidéos quand je vais arriver aux Caraïbes. Donc, on y va. Hello! It's my baby Loya with my hobby right there. And Loya, good morning guys. At the office. Too sad. Loya is not coming with us. She just needs her passport and then we'll be. Because look at Loya's skin. Ok, je suis venue ici pour quelque chose de précis, mais j'ai oublié. Thank you. Et on y va. Nous avons fini avec tout ce que nous avons à faire à l'entrepôt. Maintenant, c'est direction aéroport. Donc, on y va. If this will work. Ah, it will. All right, guys, let's go. Thank you, baby.
Là, on a déposé notre voiture et comme je vous ai dit, on dépose la voiture ici et vous pouvez laisser pendant un mois, deux mois, trois mois, ça dépend de vous. Donc là maintenant, nous sommes en train d'entrer dans la voiture, dans le bus qui va nous amener à l'aéroport. Nous, on utilise Fast Park. Voilà. Thank you. Bon, le service, je recommande absolument, surtout si vous voyagez avec les enfants et vous avez besoin qu'on vous aide. Thank you. Ça, c'est mon sac. And up we go. And yes, you are. Je ne sais vraiment pas pourquoi mon mari a porté le chapeau de mon fils sur sa tête, mais bon. Nous sommes arrivés, le train est en train de partir, donc on va attendre le prochain. Et puis voilà. I'm coming. Bon, nous sommes venus dans le lounge. Le lounge. Bonjour. Et les enfants sont en train de manger. Et on a Monsieur Jones là qui est en train de boire déjà. Non mais rien, dans le lounge, vous avez la possibilité de manger tout ce que vous voulez. Je vais vous montrer dans quelques instants. Je suis en train de faire mon plat. Alors, dans le lounge, vous avez beaucoup, beaucoup de nourriture. Là, nous sommes en train de manger du burger. Comme vous pouvez bien le voir, il y a plein, plein, plein de nourriture là. Et je vais revenir vous montrer le reste après. Parce qu'il y a des gens qui veulent manger. En même temps, vous avez aussi des chips que vous pouvez aussi prendre gratuitement. Des fruits. Vous avez aussi des gâteaux. Et bien sûr, vous avez de la boisson. Voyager avec les enfants n'est pas facile. Depuis qu'on est quitté, on n'est pas encore arrivé. Merde. Nous sommes en train de prendre les sacs. Voilà, j'ai trouvé le mien. Le mien, celui de princesse, celui de prince et mon sac à main. Maintenant, on cherche celui de mon mari. Il est en train de fouiller son sac. Je sais... Attendez, Monsieur Jones vient à l'aéroport avec le sac noir. Il oublie qu'il y a 1001 sacs noirs à l'aéroport. Moi, jamais. Mon sac doit toujours avoir la couleur. Non. Let's have fun, OK? Thank you. C'est une fille qu'elle a rencontrée à l'aéroport. Elle a beaucoup aimé la fille. En fait, dans l'avion, quoi. C'était sa voisine. Come on. Et on sort de cet aéroport. Punaise, je suis fatiguée. Ah là 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 là. Good girl. Slow down. Welcome to the Bahamas. Thank you. You. Okay. Bahama. All right. On est en train de nous escorter à notre voiture. Voilà, c'est bien busy ici. En tout cas, je n'ai pas demandé de limousine. Hein? Il y a les gens qui sont en train de... Ah, voilà notre voiture. Yep, that's us with the SUV. Where? Right here. Ça, c'est nous. Hein? Mais la limo, là, c'est pas nous des limbo. Voilà. Thank you, sir. Everyone's comfortable. We're good. Yes. Like they got it, like right, like they got one street that you don't know about.
building on my left is it's got different government buildings. I want to go on the beach. Plenty of Did I stop you from recording? No. I'm recording my video. Me in a few days. Or some food. Absolument. Je recommande. Il n'y avait pas de restrictions en tant que telles, il fallait juste attendre. Tout ce qu'on avait à faire, c'était juste le test COVID et avoir nos masques, c'est tout. Mais c'était très fascinant. Donc voilà, les rêves nous sont bien arrivés. Les bébés sont derrière là-bas. Ils sont en train de regarder la belle vue. Et, yes, that's French. Et ce que j'ai constaté aux Bahamas, ils conduisent de l'autre côté de la rue. Vous voyez, non? Donc nous, nous sommes ici, les autres sont là-bas. Broken French. C'est très beau, j'aime vraiment. Wow. Donc on va bien se reposer, on le mérite. Une semaine de repos, j'ai beaucoup travaillé, vous le savez très bien. Hein? The fish fry? Yeah. The fry fish here? Yeah, fish fry. Good fish fry, huh? Each one of those buildings on the side of the beach, all part of the fish fry. He nous explique now, King, you said that's a fort. Is that an active fort or is that somewhere like Notre chambre d'hôtel n'est pas encore prête, donc on va un peu attendre et tout. En fait, notre appartement n'est pas encore prêt, donc on va un peu attendre. En attendant, on est venu dans une salle d'attente. Si je vais vous montrer, j'ai enlevé mes chaussures parce que mon frère, mes orteils faisaient déjà mal. Je suis dans un endroit tropical, je porte les tennis, que c'est quoi? C'est vrai que ma pédicure n'est pas présentable, donc ignorez, pardon. Hein? Mais voici la salle d'attente, voici à quoi elle ressemble. Elle est très belle et tout. Donc, j'aime bien la déco. Ah, ça c'est beau, ça me donne. Et on fait qu'attendre, on attend. Mes reines, je vais vous laisser voir la première partie du vlog. Si vous avez aimé ce vlog, laissez un commentaire, donnez-moi au moins 500 commentaires et 5000 j'aime pour voir la deuxième partie du vlog, voulant dire je vous montre notre appartement, je vous montre l'hôtel entier, je vous montre la piscine, la plage et toutes les activités que nous allons faire. Donc donnez-moi 500 commentaires et 5000 j'aime. Parce que là, vraiment, j'ai mis du travail. J'ai mis du travail et vous le savez très bien. Donc, je vous fais confiance. Sur ce, nous vous disons au prochain vlog d'ici demain ou après-demain. D'accord? Non. Restez connectés, mais suivez-moi aussi sur Instagram et Facebook. Je vais poster beaucoup de réels, je vais poster beaucoup de photos, beaucoup de TikTok, beaucoup de Snap. Je vais beaucoup snapper. Donc, n'hésitez surtout pas. OK? Donc, je vous embrasse. Je suis juste assise. Hein? Me voilà. Je suis juste assise là avec les enfants, mon chéri, une salle d'attente et tout, donc nous voilà. Je vous embrasse les reines, bisous. Bisous. Bisous, mamie.